Attention! Fire! Cette année, c'est dans notre pays que le concours Eurochanson va se dérouler. Nous sommes à l'Alfred Hall, au milieu d'une salle particulièrement élégante. Et voici le premier concurrent pour l'Italie, Ugo Homela, qui chante la mort. Il y a 10 mois encore, Edith Claquette travaillait pour notre maison. Et c'est alors qu'elle est partie pour Télé Monte Carlo. Et il y a 6 semaines, elle devenait la 5e vicomtesse d'Argent. Nous avons eu quelques ennuis avec la liaison, mais j'espère que c'est arrangé. De toute façon, elle a mes nombreuses questions et je sais que tout se passera bien. Dites-moi, Edith, regardez-vous encore la télé quelquefois? Regardez-vous encore la télé quelquefois? Bien. Que ressentez-vous d'être marié avec ce déjà très âgé vicomte? Je ne tourne plus le bouton aussi souvent que je le souhaiterais. Je regrette nos bonnes parties du lundi matin. Et le pompier de service. Mais quand je le tourne, c'est à vous que je songe, Alan. Et à tous mes amis de cette maison que j'ai tant aimés. Oh, mon Dieu. On m'a dit que votre canot de mariage préféré était votre caniche français. Oui, il friche déjà les 75 ans, vous savez. Mais il s'amuse encore. Et il joue au tennis et au golf. Il a toujours une grande activité. J'ai vu une photo de vous dînant avec le président de la République. Quel genre de personne est-ce? Oh, ben, j'ai toujours adoré cet animal, quoi qu'il soit bizarre par moments. Mais il a toujours été propre à l'intérieur, et c'est ce qui compte, non? Dites-moi, on dit qu'au pied de votre villa, ce ne sont que vignobles, des kilomètres carrés à perte de vue. C'est un domaine assez énorme. Oui. Un parfait gentleman. Et vous espérez avoir des enfants? Oh, probablement 12 à 1500, je suppose. Beaucoup de blancs, surtout. Mais des noirs aussi, bien sûr. Oui, on m'a affirmé que les noirs ont bien meilleur goût en vieillissant. Que ce soit vrai ou non, je l'ignore, mais je le préfère sucré et moelleux. Il y a bientôt 2 ans que je ne suis pas allé dans le Midi. Oui. Oh, ma maison est fort agréable, c'est vrai. Non, je veux dire, il y a longtemps que je ne vous ai vu en chair et en os. Oh, Alan, vous ne reconnaîtriez sans doute plus rien. Et car, à part l'entrée principale, je crois que c'est le coin le plus abîmé des Alpes. C'est le dépotoir de tous les montagnards. Il ne reste qu'un ou deux endroits inexplorés, mais l'afflux de touristes s'en chargera. Pardon, mademoiselle. Coupez, on n'entend rien. Ah non, mais c'est pas ma faute, c'est la faute de votre télévision, mademoiselle. Coupez. Ah non, mais, c'est pas moi. C'est quoi? Un désastre, coupez. Chipo Film présente Grand Hôtel, Oscar du film Toc.
Harry! Ah, salut, Monique. Salut, Harry. Jolie piole, dis donc, sûr. Ah, t'as pas tout vu. Regarde ce paysage, vieux. Ah, oui. Pas aussi beau que tes yeux. Merci, Harry. Harry, tu as entendu parler de Lady Cynthia sans fondement? Ah oui, je connais très bien Cynthia. J'ai souvent admiré son fondement. Elle a de longs cheveux noirs, une taille mince, beau sein en poire. Elle en mettait un peu partout près du Savoy. Ah oui, son mari est si riche. Il a des mains dans tous les coins du monde. C'est une ordure. Elle a aussi au moins $1 million de joyaux. Merci. J'ai l'intention de mettre la main sur cette quincaillerie. Ah, toi, tu as le sang chaud. Oh, pourquoi dis-tu ça? Monique, je te connais très bien. Tu sais, rien ne t'arrête. Tu es une femme qui n'a pas d'homme, alors couchons. Oh. Je suis une femme comme les autres. Tu m'as prise quand je n'étais encore qu'une enfant. Et mon cœur t'a gardée. Non, Harry, jamais je n'ai oublié ton visage. Mais Monique, ce sera la dernière fois. Ce sera la bonne, Harry. Après ça, à nous, la grande vie. Nous aurons une petite vie tranquille. Un écoute dans l'Ouest, France ou ailleurs. L'Italie ne veut pas bouger sans arrêt. Harry, j'ai horreur des hommes qui bougent. Ce serait un crime d'abuser de moi. Ce serait un crime de refuser. Chérie. Tu as la combinaison? Tu me la donnerais, je suppose, si tu l'avais. Tu veux me couillonner, on dirait. Bien sûr, tous mes bijoux sont dans le coffre. Mais oui, Charles, naturellement, je suis sérieuse. Oh, mais tire-toi de là, tire-toi de là, on voit la caméra. Mais oh, tire-toi, gourde, décale-toi. Quoi? Oh, c'est pas vrai, ça. Oh, Charles. Oh, Harry, on a une vue fantastique d'ici. Non. J'ai peur, Harry. J'ai la trouille. Allons, allons, calme-toi, Monique. C'est la première fois que je te vois comme ça. Qu'on les aura, inspecteur? Oh, naturellement, on les aura. J'y mettrai le temps, mais on les aura. Et où supposez-vous qu'ils sont maintenant? Pas loin, sûrement, Miss Potts. Vous pensez qu'ils sont ici, dans cet avion? Regardez donc par fenêtre, Miss Potts. Allez-y. C'est formidable, les diamants. Ah, il y a de quoi se régaler, oui. Tout ça, c'est à moi, Harry. Tout ça, bébé? Il y a longtemps que je voulais mettre la main là-dessus. Ah, Monique, tu es fantastique. Je savais que tu ne me laisserais pas choir. Tu veux un scotch? Parfait, j'en ai besoin. Tu me cherches, hein? Qu'est-ce que t'as, Harry? Mais moi, rien. Si, tu as changé. Bah, pourquoi dis-tu ça? Non, ne me laisse pas. Où veux-tu donc aller? En Australie. En Australie? Oui, j'ai envie de changer de position. Mais je croyais qu'on allait rester ensemble, tous les deux. J'avais pas encore les bijoux en main. Dites, on s'était pas encore vus, n'est-ce pas? Oh non, j'ai passé presque toute la journée dans le... Vous ne vous êtes pas senti trop seul, Adam? Oh, vous savez, on s'en lasse. Oh non!
Plus tard, à l'hôtel Manhattan. Je croyais que t'étais avec Malik. J'étais. Oui, j'étais, mais c'est terminé. Je marche tout seul maintenant, surtout depuis que j'ai ça. Harry, te voilà, voleur! Malik, non! Oh, non! Oh, Malik, non! Oh, 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 oh. Elle est morte! Oh! 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 Oh. 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 Ah! Un spot publicitaire pour la police locale. En cas de danger, dites 22-22. Demandez le 22. Les bijoux volés étaient faux. Bon, ça continue avec le mot fin. Et maintenant, pour s'en remettre toutes nos petites idées en place, voilà un aperçu de notre nouveau ballet. Wow. Les Vierges folles.
Et voici, dans une chanson anglo-ibérique, Flora Loles et son guitariste El Ringardo, interprétant La Contesta. Eh bien, avec moi ce soir, un homme pour qui les arts martiaux n'ont plus de secret, le roi du culte du kung-fu, réalisateur, producteur, G. Arthur Metro, qui est lui-même un adepte du jiu-jitsu. Bonne souda à la mode. Bonne souda à la mode. Ah. Bonne souda à la mode. Non, bonne souda à la mode. Bon soir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Ouais, il a des perles dans les portugaises. Dites-moi, monsieur, quelles sont vos relations avec John et deux John Lung. Ah, j'ai une excellente relation avec ces deux messieurs. Mais quelle question idiote vous dites à moi, hein? Et cet acteur, Won Lung Ho, lui, Chang Thomas, Xiao Tolang, Ama Tingo, lui être plein de bonheur car lui avoir sympathique part dans grande scène. Lui entre en maison et lui voit femme avec le grand Roger. Alors lui écrabouiller le grand Roger, tirer sur femme, coller feu à la maison avec grands-parents endormis dans le lit. Ensuite, lui couper la tête à la servante. Mais où est la partie sympathique? Dans la façon de faire bouillir le chien. très tendre, oui. Non. Maintenant, nous allons voir une de vos plus fantastiques réalisations. Ah, très bien. Je suis fou de la joie. J'adore, mes filles.
Dans le cadre de nos matinées scolaires, nous avons la joie de vous présenter Avec quoi soulèves-tu les bambous ? Avec Hong Lung Ho dans le rôle de Kong Troy. Thank you.
Ha 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 ha!